Alors, tu disais à l'instant, effectivement, en lisant ces commentaires, que certaines parties de notre corps ne vibrent pas de la bonne façon. Alors, on peut s'entraîner, c'est individuellement, c'est un bon moyen de développer et puis de remettre cette bonne fréquence, cette bonne vibration au bon endroit. Et nous, en tant qu'accompagnant, eh bien, on peut utiliser ce que j'ai cité tout à l'heure au début de ce café, des outils comme le diapason, pour faire revibrer à la bonne fréquence ces parties de notre corps, ces organes en nous. Utiliser les bols tibétains, bien évidemment, hein, ça c'est assez connu. Utiliser la voix, la porter directement sur la corporalité de la personne, ça aussi c'est possible, pour remettre cette vibration. Et là, ça me permet de reboucler. Finalement, le magnétisme et les fréquences et les vibrations, c'est l'idée ancestrale de dire que il faut repermettre au fluide et à l'énergie de circuler librement, c'est-à-dire dans sa bonne vibration, sa bonne fréquence, pour aller bien, tout simplement. Et bien, ce qu'on vient de vous proposer avec Christophe permet de faire cela, se remettre dans une fluidité, dans le passage de l'onde, comme une onde cosmique ou musicale, pour retrouver son équilibre. Alors, je vois que certains nous posent des questions. Donc, le chakra couronne, c'est le violet. Pour répondre à la question de je ne sais plus qui, c'est dans le chat. Excusez-moi, chakra couronne, c'est le violet. C'est ainsi la note. Et pour répondre à Pascal, non, il ne manquait pas de chakra, étant donné qu'il y a bien eu do, ré, mi, fa, sol, la, si, et que ça fait le tour de l'ensemble des chakras qu'on venait aller expérimenté. Alors, il y en a peut-être d'autres qui sont passés à la trappe parce que vous étiez dans une autre énergie ou dans quelque chose d'autre.